Et quoi de neuf, docteur? Alors, est-ce que ça marche? Ah bah oui, mais ça serait bien que je coupe le son de l'autre côté. Voilà. Voilà, on y est. On se retrouve pour un nouveau petit live sur Bugs Bunny, la spirale du temps. Bienvenue à tous. Bienvenue, bonjour, bonsoir. À ceux qui verront peut-être cette vidéo en VOD, en replay, je précise bien qu'elle a été enregistrée ou diffusée en live, voilà, sur Twitch, la chaîne Cyril 2.0. Le lien est dans la description. Il y a plein de liens dans la description. Je mets toujours un tas de trucs. Voilà. Et puis, je pense que ça va être un peu la dernière sur ce jeu. J'ai pas pu faire de live la semaine dernière. J'ai pas pu m'y mettre. Mais j'avais vraiment, vraiment envie de jouer un peu à ce jeu-là. Alors, j'ai pas résisté parce que j'ai eu des horaires un peu compliqués. Donc, je me suis fait une petite séance par-ci, par-là, une petite session sur ce jeu. Et puis, voilà. Voilà, j'ai la webcam qui bug un petit peu. Je vais la remettre. Gentiment dans les clous. Ouais. J'arrive, ne vous inquiétez pas. Vas-y, c'est quoi que tu veux. Non, ça marche pas. C'est ça. Il y a toujours des paramètres qui changent. Voilà, ça m'épate toujours autant, mais bon, t'as beau cliquer sur les boutons. Voilà. Tout ça me semble pas mal, je suis désolé. Voilà. Donc, comme je disais, ah bon alors, donc du coup, le live, effectivement, ce soir démarre un petit peu plus tôt. Donc, peut-être que le chat va pas réagir tout de suite. C'est le temps que ça chauffe, voilà. Mais sinon, bon, on va y aller gentiment. Donc, il me manquait pas grand chose, hein, pour finir ce petit Bugs Bunny et Taz. Je suis arrivé jusqu'au bout avec la séquence de fin avec Mémé. On lui redonne des choses et tout. La difficulté maintenant, c'est d'arriver à récupérer tous les derniers rouages qui manquent pour finir le jeu à 100%. Voilà. Forcément, j'ai un peu tout pété. Je me rends compte une fois que c'est lancé que tout est pas au point, mais bon, voilà, on va passer un bon moment quand même. Donc, je suis pas sûr que le live soit très long. Ce sera l'occasion peut-être de papoter, faire un question-réponse, peut-être lancer un jeu un peu au pif-pouf. Donc, ça peut être ça aussi, hein, si vous passez un jour sur Twitch, voilà, en direct. Et ben voilà, on peut. C'est l'occasion de discuter. Alors, c'est parti. Donc, le jeu est lancé. Le jeu est lancé en général. Voilà, je démarre le jeu un petit peu avant. Alors, bon, vous n'avez pas le démarrage de la PS, hein, le fameux son mythique. Salut Étienne, comment ça va? Ouais, c'est lundi soir, c'est jour de live. Je fais un peu le forcing, même si je pense que niveau timing, je vais être un peu short cette semaine, mais ça va bien. Je fais 10 milliards de trucs en même temps, mais j'espère que ça va aller parce que c'est le petit live ce soir. Aujourd'hui, j'ai commencé à écrire. Bon, j'avais déjà commencé un petit peu, mais on va dire que j'ai avancé. J'aimerais sortir une vidéo à la fin de la semaine pour Halloween, mais elle est toujours pas tournée. Alors, sachant que le montage, c'est souvent le truc qui demande le plus de temps, charger une partie, et que normalement, je vais bosser les 2, 3, 4 jours qui viennent. Si j'ai un jour de moins à bosser, bah c'est bien. Mais voilà, donc vidéo d'Halloween, petit live ce soir, écriture, un peu de boulot, les enfants sont en vacances. Voilà, un programme bien, bien chargé, ma foi. Il y a de quoi faire, quoi. Je vais peut-être changer un peu la lumière. Est-ce que ça marche comme ça? Ou est-ce que c'est... Ah bah non, oui. Voilà. Est-ce que ça donne quelque chose? Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc une vidéo retour de la Geek Days de quand? Ah oui, c'était le week-end dernier, c'était ce week-end, je sais plus, la Geek Days. Je voulais y aller, mais finalement, voilà, enfin, c'était compliqué ce week-end, j'ai fait la fête un peu samedi soir. Et j'étais un peu KO dimanche, quoi. D'image prise sur place, alors je peux toujours faire une vidéo facecam. Ouais, effectivement. Donc voilà, bah on est reparti sur ce jeu, comme je disais, j'ai un peu avancé, je tenais plus. J'ai hésité à avancer, puis pas forcément sauvegarder, mais je me suis dit bon, je préfère garder le truc. Donc la dernière fois on était à 92%, j'ai avancé un petit peu, il y avait deux, trois trucs à trouver encore. Et là j'en suis à 96%, donc c'est parti, je vais lancer. Ah oui, c'était le week-end dernier, ah bénévole là-bas, ah c'est cool ça. Un joueur, oui, j'espère que le son du jeu est... J'espère que ça va sur le son du jeu. Qu'est-ce que ça dit? Option non, commencer, allons-y, c'est bien fou. Hein.
Allons-y, allons-y. Ouais, j'espère que ça s'est bien passé. Du coup, les Geek Days, j'ai pas tout suivi. Hop là. Alors, donc dans l'idée, le hub central chez Mémé, on a tout. L'ère Aztèque, on a tout. 500 rouages dans la zone centrale, dans la quête, 200 dans la course, 300 pour le boss. Toutes les grosses piécettes, parce que ça on en a besoin de toute façon pour accéder au boss. Les caisses, il y a tout. Petit personnage caché, on a tout. L'ère viking, normalement, je l'ai terminé aussi. Il y avait un rouage qui était planqué dans un niveau. Alors ça, pour le retrouver, c'est la galère. Donc j'espère que ce soir, ça va le faire, quoi. Une interview de Eevee. Poison Eevee? Non, c'était grave cool. J'ai rencontré la voix d'Homer et Marge. Ah ouais! Padge et Eevee de Noob. Ah ok, oui, Eevee de Noob, d'accord. Ah, et Padge, il est cool aussi. Ah, il y avait du beau monde, quoi. Bah c'est pareil, ce week-end. Bah en fait, ce week-end, oui, c'est pareil. Dans les trucs à faire, je suis aussi en train de bosser sur le stand que j'aurai. Enfin, stand. Je serai présent à Rouen, à la Chibi Rouen ce week-end. Donc, c'est bon, c'est un petit stand. Je squatte le stand, le coin rétro gaming. Voilà, je suis pas annoncé ni rien, enfin, bon, du coup, c'est juste avec le collectif normand, mais du coup, voilà, bah, je prépare un petit truc, je sais pas si j'y arriverai, on prépare une petite surprise, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, petit truc sur la PS1, et j'espère que ça va le faire, j'y travaille, voilà, j'y travaille à fond, c'était compliqué la semaine dernière, mais petite surprise. Alors, donc, je disais, j'y retourne, hein, l'ère aztèque, l'ère viking. J'ai pas résisté, j'ai voulu avancer un petit peu. J'ai un peu lutté, mais voilà, j'ai fini par trouver ce qui manquait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un peu avancé. Je me dis, oh, j'attends vraiment un peu le dernier moment pour faire cette fin de jeu. Parce que les mille et une nuits, il me manque pas grand-chose. Tout a été trouvé. Il n'y a que dans la course où il manque des choses. Alors, la course, c'est pas le plus dur. C'est un peu chiant et rébarbatif, mais c'est pas le plus compliqué. Et là, c'est pareil, il en manque 5 dans la course, donc ce qui est pas le plus compliqué, et 10 dans le niveau du boss. Et en fait, à partir du moment où on a tout, bah, on peut revenir à l'ère centrale, on n'est pas obligé de se retaper tout le truc. Donc, je me dis, je pense que ça va être très vite, très rapide ce soir. Si c'est rapide, bah, du coup, on passe à autre chose après. Un petit live blabla ou un petit jeu à tester au pif, voilà, ça peut être un défi. On me lance un défi, on me dit, bah tiens Cyril, si j'ai le jeu, bien sûr, je peux lancer une petite partie. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande Tombi, par exemple, ça pourrait être l'occasion de lancer le jeu Tombi. Alors c'est parti. Donc, direction les mille et une nuits. Qui se cache là-bas. Voilà. Donc finalement, bah, je me suis bien. Bien fait ce petit jeu, moi je trouve ça bien, je le trouve cool quoi. Je me suis bien bien marré avec, voilà, ça se passe pas mal. Ça va être compliqué pour moi la chibi, déjà que je serai sur quand samedi. Ouais j'imagine, 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 c'est pour ça que j'ai pas, bon je sais pas si j'en ai parlé, mais bon encore une fois je fais pas partie des invités, hein. Enfin voilà, je suis pas. C'est ici le truc? Ça c'est le palais. Ben, les mille et une nuits, ça. Bien. Bon, en tout cas, c'est cool. Si t'as pu faire quelques petites images, eh bien, au Geek Days de Caen. Ça, j'irai voir ça. N'hésite pas, hein, même à le partager sur le Discord. Oui, voilà, ceux qui ne le sauraient pas. Il y a un Discord, Cyril 2.0. Gros, il est ce qu'il est. Il y a des petites choses dedans. Oui. Voilà, il y a des différents, je sais pas comment on appelle ça, enfin, différents sujets, chacun s'exprime un peu comme il veut. Du coup, je suis bien dans le truc des mille et une nuits. Bah oui, je suis dans le truc des mille et une nuits. Donc, la course. La course, c'est le tapis volant. Bizarre, il me semblait que je l'avais fini, ou alors j'ai oublié de sauvegarder. Ça, c'est pas impossible. Bref, il reste 5 ou 15 trucs à choper. Alors, la course, le tapis volant, je sais plus où elle est. Le match de foot, non. C'est plus compliqué quand il en manque un petit bout dans. Comment ça s'appelle? Dans des quêtes un peu annexes, parce qu'au final. Pour arriver à savoir où ça se passe. La mienne, la petite musique de. Non, la course, c'est pas là. La musique de ce niveau, je l'aime bien, elle est cool.
Ah, monter dans la DeLorean. Ah, mais c'est ça la photo que j'ai vu passer. T'as essayé de rentrer dans la DeLorean et du coup, c'est une petite voiture alors, la DeLorean. J'ai vu que t'avais un peu galéré. Contre cette tapis volant, c'est pas. Ah. Non, là, c'est le boss. Ouais, j'ai vu effectivement que t'étais trop grand pour la voiture. Mais bon, c'est un coupé. C'est vrai, c'est un coupé comme voiture. C'est un coupé. Le défi des assiettes volantes, alors non. C'est petit, je confirme, ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est cool, voilà, si tu... des fois, je sais qu'on peut mettre un bot qui prévient pour les chaînes, quand il y a des vidéos qui sortent sur les chaînes. Alors, je l'ai fait un peu, mais du coup, ça avait le temple du vent, non. J'avais fichu un peu la pagaille. Du coup, j'avais tout enlevé, il faudrait que je... Voilà, j'ai pas réussi à programmer le truc comme je voulais. Bon, j'ai pas trouvé la course de tapis. J'arrive pas à me rappeler où elle est. Il semble qu'elle était en hauteur. Le temple de l'eau. Là, c'était quoi? C'est là la course? Ah, là, voilà, la course en tapis volant. Voilà, c'est bien ça. Mais ouais, c'est vrai que la DeLorean, je suis jamais monté dedans, je crois pas. Il me semble pas. Dépasse, mes jambes rentrent pas, mais en fait les modifications en time machine font que le siège est avancé à fond, donc peu de place. Ah ouais. Ah c'est le ouais la modif quoi, du coup tu peux pas trop bouger le siège quoi. Ah c'est chaud quoi. Ah c'est sûr que la déco c'est joli, mais faut pas être un géant pour conduire la voiture quoi. Bon, on est d'accord qu'il nous manque dans la partie course 15 piécettes, non 15 rouages, et c'est le seul truc qui manque dans ce niveau-là. Continue. Voilà. Là. Donc, potentiellement pour ceux qui verront la vidéo en replay sur YouTube, et eh bien tout simplement, hop là, hop là, hop là. Souvent je mets un chapitrage. Hein, là, il y a une jarre là. Alors, les portes, il me semble que je les ai déjà faites. Là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Oh, te mange pas le mur. Là à gauche, il y avait un pot. Ah, je l'ai raté. Je sais pas s'il y avait un truc dedans. Non, rien. J'aurais juré que je les avais tous eu les. Ah! Nous y voilà! Je peux pas tourner la caméra. La droite. Ah! Bah voilà. 25. Ah! Oh le! Oh le boulet. On va la refaire. Une DeLorean classique, j'ai eu une chance. Ah oui, ok, d'accord. Ah, effectivement, c'est plus la modif qui fait que la voiture se transforme. Elle est un peu petite. Descends à droite, remonte. Ah mais non, ça passait là. Vas-y. Nous y voilà. Ah. Je l'ai vu la piécette en plus, hein, enfin les rouages. Mais du coup, c'était comment quand même? Même de monter, si la voiture était un peu petite, c'était comment? C'était comment? Ah ouh, c'était le kiff. Il y a la musique dedans, il y a... Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Est-ce qu'ils mettent au moins la musique de retour vers le futur? Ça va être un peu le kiff quand même, quoi. Surtout quand elle est transformée en time machine, enfin... Tiens, bim! Ça t'apprendra. Bon, de toute façon, je vais jusqu'au bout, mais je suis même pas obligé. Puisque là j'ai tout, donc du coup je peux revenir, donc j'ai tout, on est d'accord. 72%, tiens, pourquoi il met 72%, hein, quoi? Non, pas 72%, qu'est-ce que tu me racontes? Il a bugué le... C'est ça qu'il a bugué, pourquoi il met 72%? 400, ah non, 400 sur 500 dans la zone centrale. Oui, mais comme j'ai tout eu ailleurs. 2, 2, 1. Oh, il va me redonner. Il va me ramener. Voilà, ramène-moi à la zone centrale. Je pense que j'avais dû oublier de sauvegarder une fois. Voilà, ramène-moi à la zone centrale. En vidéo, de toute façon. Ah ouais, c'est cool. Elle est fonctionnelle. T'as le convecteur temporel qui s'allume. Le tableau de bord qui affiche les dates. Ah, ça va être mortel, quoi. C'est mortel. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de monter dedans. Alors que pourtant, il y en avait une. Il y en a une un peu partout maintenant quand on va en convention, c'est assez cool. Alors il y a une piécette qui doit être planquée quelque part.
coup, là, il va la trouver. Parce que dans chaque niveau, il y a une piécette qui apparaît une fois qu'on a tout, tout chopé un peu partout. Est-ce que j'arrive à trouver où ça se cache ? Dans le puits, j'y suis allé. Oui, si, j'y suis allé. On avait l'impression qu'il allait venir. On voit un pseudo truc. Est-ce qu'il va être devant le temple? Non. J'espère que c'est bien ça, parce que sinon, si c'est pas ça, on est mal. Normalement, c'est ça. Le temple des machins. Elle est pas là, la piécette. Tu rentres une date, tu vois le compteur de vitesse qui grimpe et tu entends le doc qui dit « Nous allons vers le futur !» Ah, c'est mortel. Ah ouais, non, elle est vraiment, c'est un sacré custom quand même. Qui parle, mais le gars qui le faisait le tenait plutôt bien. Ah, ok. Après, c'est quand même sympa, le temple du feu. Bah non, je voulais pas aller là-dedans. Route, là où on va pas besoin de route. Bugs qui sait pas ce qu'il doit faire. Salut Titicraft, comment ça va? Bon, j'ai lancé vite fait le live un petit peu plus tôt, mais bienvenue pour cette petite soirée. Je pense que ça va être la dernière sur sur ce petit jeu Bugs, gentiment, tranquillou. J'ai pas vérifié si ce soir il y avait le réencodage sur Twitch. Ah, je vais vérifier vite fait. Non. Parce que c'est une... Il n'y a pas le choix pour ce soir, j'en suis désolé. Parce que j'ai terminé mon épisode. Ah yes. Donc là j'en suis à la fin de... Vraiment à la fin du jeu, il manque quelques rouages. Je me dis, oh, je vais le tenter à 100%. Pourquoi pas, après tout. C'est un peu le truc, tu te dis, bon, bah, au point où j'en suis, allez, soyons fous. Mais du coup, j'ai débloqué tout un tas de trucs. Et généralement, il y a une piécette à récupérer quand t'as tout récupéré. Là, il me manque une piécette avec 100 rouages. Quoi. Enfin, une piécette. Ouais. Point. Je sais pas où il est. En général, il est visible, il est transparent, ça c'est le temple du vent. Donc je sais pas trop. On est que deux. C'est très bien, il n'y a pas de souci. C'est parce que je démarre un petit peu plus tôt, j'ai prévenu. Après, des fois, ça arrive un petit peu encore de route. Ouais, il n'y a pas de. Bah, de toute façon, en même temps, Twitch, c'est ça. Hein, quand t'es personne, en gros, les gens streament parfois pour zéro. Ça, c'est un peu le seum quand même. Mais grosso modo, c'est 2-3 en moyenne, quoi. La plupart des streamers qui sont pas professionnels, quoi, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'on en est là. Hein, c'est que aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, hein, si t'es pauvre petit amateur, ben t'as aucune chance, quoi. Enfin, moi, je le considère comme ça. Après, dites-moi si je me trompe. Mais. Ah bah non, là on peut pas monter. Non plus. Donc c'est fini l'époque où tu faisais une petite vidéo sur Dailymotion, tu la balançais comme ça. Fini. Ah oui, t'as des gens qui stream pour personne, quoi. Et voilà, quoi. J'ai regardé une petite vidéo il n'y a pas très longtemps, il y avait quelqu'un qui expliquait, qui disait, faut se remettre en question quand c'est comme ça, quoi. Mais... Mais il y a aussi le fait que, si vraiment ça bouge pas, des fois, vaut mieux tout arrêter, quoi.
Le mec était pas du tout fataliste, hein. Il dit mais si vraiment ça marche pas, c'est qu'il y a un truc, hein, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas. Oh, il l'a raté. Du coup là je sais pas trop parce que c'est bizarre. Là c'est vraiment la partie boss, donc je suis pas au bon endroit, quoi. Dans la zone centrale, je suis censé avoir un jeton avec 100 quand même. La partie inventaire, on va revenir à la zone centrale. Oui. Oui. Mais en même temps, c'est pas. Après, c'est pas étonnant, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui démarre comme ça, qui. Voilà, certains ont la chance d'avoir déjà des communautés importantes sur. Oups, là. Sur Twitter, sur Insta, ou. Les Montbugs. Ça aide potentiellement à démarrer. Mais c'est pas le cas de tout le monde, quoi. Bon, je comprends pas pourquoi j'ai pas la piécette, c'est quoi, le temple du feu. Mais d'accord, alors, temple du feu, le boss. Temple du feu, le boss, c'est quoi ça? Il y en a deux. Le boss, il est là-bas. Temple des génies. Mais temple des génies, j'y suis allé. Bah, je vais la piécette. Eh, c'est quoi ça? Non, c'est une flamme. Ça se casse pas. On dirait, mais non. On sait jamais. Il y a un truc que j'ai dû louper quelque part, hein, quand même. Non. Le clear, c'est tout ça? C'est quoi? Pour se faire connaître, faut faire du putaclic, pas faire du rétro, mais ceux du moment. Et avoir un chat cancer, beaucoup crier. Ouais, oui. Ah, il y a des... Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on cherche, ça dépend. Y a des gens que je vois faire du rétro et qui. Après, ça dépend du rétro. Tu prends. Là, je suis retombé sur un truc tout à l'heure. Mister MV, qui, il y a, je sais pas, un mois, je crois que c'est ça. Il a fait Castlevania Symphony of the Night. Il l'a téléchargé sur PS5, voilà. Défi des assiettes volantes. Bon, bah, c'est du rétro. Mais c'est Mister MV. Et puis, je l'entendais pas spécialement brailler dans le truc, quoi. Enfin, j'ai vu ça tout à l'heure. Bon bah après, doucement, le temple du vent. D'accord qu'il y a une pièce quelque part, c'est sûr. Il me manque quand même pour 25 pièces. Par-ci, par-là. Est-ce qu'elle est cachée cette foutue pièce? Les leçons de Baladi, mais non. J'ai pas le matos pour streamer d'actuel. Ouais. Oui, après, bah... non, ça me... non, je veux pas aller. Oui. Non, ça m'ira. Ah, le clear. Ah, d'accord. Deuxième plus gros streamer FR derrière Zorator. Ah, j'ai dit oui. Ah bon, moi j'ai dit oui. Je croyais avoir dit non. Carré. Je vais essayer de me concentrer. Mais même Zorator, je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui braille. Carré, croix, elle ira. Oui. Après, c'est peut-être des gens qui ont commencé il y a. Carré, croix. Non, c'est pas encore moi. Carré, croix, elle ira. C'est des gens qui ont commencé il y a un petit moment et voilà, qui ont su. Persévérer, j'ai envie de dire. Hein. Ils ont su maintenir le cap. Parce qu'on voit souvent. On voit souvent. Que la réussite, mais combien il y en a qui ont échoué face à deux qui ont réussi, quoi. Regardez-moi. Allez, on va la refaire, mais j'y crois pas. Pour moi, j'y crois pas que je fais pas rond, carré, et là, vas-y, viens.
Oui, il est déjà populaire, il peut se le permettre, c'est ça. C'est bon. Non, Ricardada, désolé, ouais. J'ai vu, effectivement, il n'y a pas le réencodage ce soir, j'en suis désolé. Voilà, c'est un peu aléatoire. Hein. Je vais reparler de Bob Lennon, il y a un truc que je savais pas. Et il y a un truc qu'on a un peu oublié, j'ai l'impression. Hein. Carré croix. Bob Lennon, il fait des vidéos rétro ou des let's play, il dit lui-même que ça, ça lui rapporte que dalle, mais à côté il fait des trucs qui marchent et qui n'intéressent pas, ça par exemple. Ah oui, la communauté, oui. Ah, il peut faire de la sponso, des choses comme ça aussi, mais un bon prix pour de la fibre et de la vraie... Ah, bah après la fibre, ouais c'est pas évident, bon prix, je suis pas sûr, les prix changent... À l'année, enfin, carré. Je me reconcentre sur le truc, mais j'arrive. Hein. Je vais reparler de Bob Lennon. Parce que j'ai vu Dark Chaos parler des ronds, carrés et l'intrigue. Ok, c'est bon. Ouais, je disais, j'ai vu par exemple Dark Chaos sur YouTube, YouTubeur, voilà, qui. Parlait des 10 ans de Usul. Et mine de rien, ben, dans sa vidéo, il dit, alors, jeuxvideo.com au début, quand ils se sont lancés un peu dans les chroniques, où ils ont pris des gens pour faire des vidéos, et ben... Tenez. Ah ben non, on est d'accord, je ramasse pas de piécettes là. Et ben, il y avait du let's play sur du Call of, et il y avait Bob Lennon sur du Minecraft. Et au final, bah Bob Lennon, c'est un peu comme Edward, bah il a commencé avec jeuxvideo.com. Donc quand t'es... Presque envie de dire, quand t'es payé pour faire quelque chose, alors faut persévérer, je dis pas, il y en a qui pourraient lâcher, il y en a qui ont peut-être lâché en cours de route. Mais avant Usul, il y a eu ça, du let's play. Donc quelque part, tu te fais déjà un peu ta petite communauté comme ça. C'est ton travail de tous les jours. Alors je dis pas, ils étaient peut-être payés au lance-pierre, vous voyez. Je jette pas la pierre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu vas dire, Bob, je kiffe et je suis depuis ses débuts un des rares. Bah, tu vas peut-être pouvoir me dire si je me trompe, du coup, Titi Craft. Hein. Je suis depuis que je suis toujours maintenant sur YouTube. Allez, cool la vidéo de Dark House. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle était cool. The Fantasio marchait déjà avant jeuxvideo.com avec l'explosion de Minecraft. Ouais, mais du coup, ça. C'est-à-dire que. Ouais, je sais pas si ça marchait. Non, est-ce que ça marchait comme on considérerait une chaîne marcherait aujourd'hui et je veux dire, ça a sans doute aussi contribué à les faire perdurer. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça marchait, mais ça marchait. Est-ce qu'ils gagnaient de l'argent avec? Peut-être que finalement, ils se seraient dit, bon, bah, c'est sympa. Minecraft, mais bon, bon, allez, on se casse, on arrête, on va trouver un vrai boulot. Je vais être hyper péjoratif. Mais le fait d'avoir derrière jeuxvideo.com qui dit « Hey les gars, vous venez vous bosser à temps plein. » Elle va me faire chier, cette piécette. Je sais pas où elle est. Avec maintenant 10 000 abos. Ouais, oui, on est d'accord. Non, mais c'est clair. 10 000 abonnés avant, c'était le palier à franchir. Maintenant, c'est plutôt 100 000, quoi. Hein. Si t'as pas 100 000 abonnés, t'as rien, quoi. En gros, hein, mais c'est ça, hein, on est d'accord. Mais je veux dire... Les gars, ils étaient là au bon moment, au bon endroit, ils ont su persévérer aussi. Enfin, moi, je reste persuadé qu'il y a ce côté aussi, hein, de dire combien ont arrêté en cours de route. Ils ont dit non, bah non, ça marche pas, on arrête. Voilà. Là. Là, oh là 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 là, cette foutue pièce. Rien là. Le d'or, si je t'attrape, je te mords. Quoi? Oui, c'est bon, je l'ai. Ouais, je croyais que je l'avais pas. Non, mais je rêve. Bon. Ouh, ce petit frisson quand t'as cette saloperie de pièce.
Voilà, 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 voilà. Bon, on dit au revoir au monde des mille et une nuits. Voilà. Alors, j'ai pas de légitimité à parler de Bob et Fanta. Hein, voilà. Moi, j'ai suivi ça de très, très loin. Un peu comme Dark House. Hein. Ça m'intéressait pas, moi, ce truc-là. J'étais pas du tout dans ce délire-là. Mais encore une fois, tu te dis, ben, ils ont eu... Où c'est qu'on est là ? Cette continuité avec jeuxvideo.com qui, pour moi, c'est pas innocent. Ça contribue à faire le truc, quoi. Il me manque un truc, je sais plus où je dois aller. L'air transylvanienne, je crois. JV.com, ça a aidé, bien sûr. Oui. Ils ont ouvert Fantabob Gaming. Ouais, Fantabob Game, c'est ça, hein, la chaîne actuelle de Bob, renommée après le départ de Fanta. Ouais, j'ai vu. C'est pour ça que moi, j'avais pas suivi, en fait, Bob. Non, Fanta, pardon. Bob, je l'ai déjà vu en convention, mais... Enfin, je le connais pas, du coup, j'ai pas... Enfin, je le connais pas, je l'ai jamais abordé. Et puis, c'est un personnage, Bob, hein, quand même. Mais on est d'accord, voilà, le 36-15 Usul, c'était complètement ouf. Moi, j'ai découvert ça sur le tard, à la fin. J'étais pas très... c'était pas ce que je regardais, on va dire. J'y suis venu un peu tardivement, et en fait, quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, oh, c'est trop bien, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu comme... comment ça s'appelle enfin, j'ai oublié le nom, mais c'est un peu... On se met à nous parler de jeux vidéo comme on a toujours envie de... comme on a toujours eu envie d'entendre parler de jeux vidéo, quoi. C'était pas juste c'est bon, c'est ça, hein. Il me reste l'ère transylvanienne, il n'y a que la course et le boss, ok. L'ère transylvanienne, c'était là-haut, je crois, c'est ça. Ils y sont restés très peu de temps sur jv.com, Fanta et Bob. Ah, je savais pas ça. Ça les a vite lassés. Ouais, je me rends pas compte. Je me rends pas du tout compte du truc. C'est vrai que j'ai pas suivi. Pas suivi comment. Enfin, j'ai pas trop suivi. Même encore aujourd'hui, je saurais pas dire. Je saurais pas forcément dire ce qu'ils font. Alors, la course, on est d'accord, j'ai dit course. Il m'en manque 5 dans la course et 10 au niveau du boss. Bon, ça devrait. Ça devrait. Ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est un petit personnage qui était caché en hauteur dans ce foutu truc. Alors la course là-dedans, c'est un truc sur un radeau. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est... C'est quoi ici? Non. Bah d'accord, bah y'a rien. Bon, le mec il s'avance doucement vers une porte où y'a rien. Et même encore aujourd'hui, je sais même pas ce que font Fanta et Bob. Bob, j'imagine qu'il continue. Mais Fanta, est-ce qu'il a arrêté? Est-ce qu'il continue yep. Ah ben voilà, moi, j'avais même pas pris la piécette là. Mais c'est un scandale! Donc 500, il en manque 5. Dans la course, c'est ça. 10 dans le boss, ouais, c'est ça. La course, ça doit être... Il me semble que c'était... Enfin, monter, redescendre. Il me semble que c'était un délire comme ça. Yeah. Il dirait qu'il allait le hockey. La course, est-ce que c'est... Il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Hein. Non, c'est pas ça. Il a dit peut-être là en bas. Oh, il m'a fait tomber, c'est imbécile. Non, c'est ça. Il n'y a pas une porte, là. Bah non, y'a rien. Fanta, il fait des vidéos crypto-monnaie. Ah ouais. Oh. Ah ouais, c'est spécifique quand même, là, faut... Est-ce que c'est ça, la course? Un intrépide voyageur derrière moi se trouve la rivière hantée. Ça doit être ça. Salut Damien, comment ça va? Crypto Fanta. Ah ouais, ouais, c'est Space quand même. Ah, c'est un peu comme Usul qui est parti sur du truc politique un peu. Et comme disait Dark Chaos, hein, après c'est... On aime ou pas, mais en tout cas, il a...
ça a sacrément... Voilà, j'ai même pas vu ça. Ça avait quand même sacrément marqué le monde du jeu vidéo. Mais du coup, ouais, je peux que vous recommander cette belle vidéo de 10 ans sur 3615 Usul. Mais je peux pas aller à droite, non. Sur la chaîne de Dark House. Vous avez peut-être aperçu dans une vidéo de Edward ou le loup 5.1. À gauche, il y a quoi? Il n'y a rien. Là, je peux tourner la caméra. Ça va vous foutre un peu les gerbes, peut-être. Ah, en fait, je cherche les dernières piécettes qui sont cachées dans ce niveau. Donc là, il faut que j'aille un peu à la recherche avec la caméra. Non. Peut-être que ça va être facile à trouver, mais... Tourne la caméra. Tourne, je vois rien. Il n'y a rien par là. On revient vers le bateau. Ouais. On prend des carottes. Hein. Et tu veux que je te dise. Non. Y'a rien là, je suppose. Bien planqué, hein. Bon, pour moi, bonne soirée. Ah, ça marche, merci Ricadada. Ah, j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. C'est vrai que c'est pas évident hein, quand on a une petite connexion. Ah. Bon, ben, dommage. J'avais qu'à, je sais pas quoi, parce que là, j'avais un crocodile. C'était baissé. Le cauchemar, la cam. Ouais, c'est moi hein, qui fait ça. C'est, je cherchais, en fait, je cherche... c'est moi. Hein. C'était moi qui faisais la blague avec la caméra. C'est pour chercher de mes yeux. S'il n'y a pas une piécette de cachet, c'est moi qui tourne. je peux même pas vous dire d'écouter la douce musique pour vous bercer avec ce niveau, parce que on n'entend que le bruit de la flotte. Ah, ce qui manque un peu à ce niveau, c'est une impression d'itinéraire, parce que même la flotte, là, elle est quand même... C'est une... Il n'y a même pas de texture, hein, ils se sont pas emmerdés, c'est... On met un truc tout noir. Ah, j'ai le piote qui s'est arrêté. On met un truc tout noir et puis c'est réglé. Y a rien. Ah, je vérifie un peu. Hein. Pas de piécettes. Enfin, piécettes. C'est des engrenages, j'appelle ça des piécettes, mais... C'est des engrenages. Bref. Alors, et à quoi vous jouez-vous de votre côté en ce moment? Alors, le requin. Le requin. Lui, non. Parce que là, c'est vrai qu'avec le boulot, j'ai relancé le jeu, on va dire, une fois, mais j'ai pas joué à autre chose, quoi. C'est vraiment... aïe. J'ai vraiment très très peu joué... là, à droite. Ouais, je l'ai eu. Et du coup... J'ai pas sauvegardé encore, je crois. Non, reste allumé. 500, 300, 300, il en reste un sur le boss. Bon, bah, le loup pour rigoler. Je crois qu'on y est en plus. Ouais, même pas de musique, pas de texture pour l'eau, c'est vraiment... Ils ont tout mis dans le décor, quoi. Hein. C'est... Il faut que j'aille à droite. Oui, il faut que j'aille à droite. Bon, si je repère une vie, je retourne direct à la zone centrale. Là, y a rien. Et c'est pas la console qui a bugué, rien. Hein. C'est, y a que dalle. Et c'est tellement bugué qu'il y a des moments où on voit les trucs à travers la flotte. Bon, là, de toute façon, je peux pas changer. Allez, fin de ce niveau. Abyssal. Veux-tu rejouer? Ah bah non, ça va aller, merci. Direction... Direction quoi d'autre? Le boss. Alors le boss, c'est là où il y a les trois piécettes en général. Je peux remettre un peu de son parce que là du coup... Voilà. Je sais pas si on l'entend bien quand même, mais...
Ça rame. Ah mince. Ou alors si tu relances le... Ou rafraîchir. Ouais, Ed, il a repris doucement ses vidéos le samedi. J'ai vu qu'il avait posté un petit message il y avait une semaine ou deux. Pour dire qu'il avait un petit peu de retard. Mais c'est cool, ouais, ça revient. Et bah du coup, c'était cool, quoi. Une petite vidéo sur le Seigneur des Anneaux. Je cherche l'endroit où les trois pissettes, elles atterrissent. Non, c'est pas là-haut. Avance, pas du tout. Avance. Là-haut. Ouais, c'est ça, c'est là-haut. Allez, on y est. Et dans ce niveau-là... Alors, avant, je vais sauvegarder. Il me manque 10 rouages. Et normalement, on aura tout. Sauvegarder la partie. Ouais. Écraser. Non, je vais le mettre sur celui-là. Oui. Ça gage, je l'ai vu à la Konshiki Convention 2019. Il est adorable. Ouais, il est vraiment cool. Hein. Tu vois, en saccadé. Alors, il est comme je l'imagine. Ah, moi, si tu me vois en saccadé. Oui, alors attends, je vais changer un peu. C'est la webcam qui fait ça. Là, tu devrais me voir moins saccadé. Et c'est le manque de lumière qui fait que... voilà. Là, c'est tout fluide. Voilà. C'est moi qui... Ça vient de chez moi, hein, le côté saccadé pour la webcam. Je pense. Hein, je peux me tromper, mais... Le débit d'après Twitch est correct. Et là, voilà. Ça a l'air d'aller. C'est le seul de l'RJV.com. Je suis toujours ces vidéos. J'ai même financé sur... Ouais, moi aussi, j'avais participé au financement. Ouais, j'aime bien, voilà. Après, tout le monde n'aime pas non plus. Hein, après, mais voilà, il en faut pour tous. Hein. Quand une webcam saccade, c'est dû au manque de lumière, ça me fait pareil. Oui, oui, c'est, elle compense. Du coup, elle compense. Et, alors, ici, je sais que j'ai récupéré les piécettes. Mais voilà, logiquement là on est bien. Ouais, j'ai pas un gros setup de folie. Là, je les ai eus aussi. Alors où sont les piécettes que j'ai loupées? Quelle est cette diablerie? Parce que là, il y avait les fameuses bibliothèques où il fallait faire les statues dans l'ordre. Il va bien avoir un endroit où j'ai loupé. Un pauvre petit truc, puis après on ira voir la fin du jeu. Ça c'est fait en bas. Ça c'était les... Et là c'est le boss. Bizarre. Tu as déjà battu le compte, veux-tu recommencer pour t'amuser? Allons-y, essayons. Se voir un ring light, ça va être plus pratique. Bah, je sais pas. Moi, j'ai un spot LED, mais en soi... Ah, c'est le compte machin chose. Ah, c'est vrai qu'il est chiant à faire, lui. C'était quoi, déjà? Qu'est-ce que c'était, déjà? Ah, il faut lui sauter dessus sur le couvercle. Où est-ce qu'il est? Je crois que c'est ça. Que c'est ça. Maintenant, je vais t'écraser. Alors, j'espère que vous avez baissé un peu. Maintenant, je vais t'écraser. J'ai baissé un peu. Salut Elmorel. Après, ouais, tu vois, je sais pas, Étienne, le ring light aussi, vraiment, c'est. Ça. Il me semble que c'était ça. Il l'a pris sur la tête. J'avoue, il le prend sur la tête. Je vais attendre qu'il revienne. Raté. Il y avait un truc. Je me rappelle plus.
Voilà. Voilà. C'est bien ce qui se m'assemblait. Mal au cul qui éclaire rien. Ah oui, après oui. De retour ce boss, oui. La rediff en mode podcast au boulot, ça m'a rendu fou. Pourquoi ça? Ah, ce je vais t'écraser. Après, je peux le baisser. Normalement, ça devrait aller plus vite. Allez, viens par là. Non. Là. Ouais. Mais surtout que j'avais rien compris la dernière fois. Vas-y, hein, c'est lui qui peut la pousser. Non, c'est pas lui. Voilà. Hop, 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 hop. En fait, il me manque... bizarrement, il me manque 10 rouages. Ah, dans le niveau du boss. Et je comprends pas. Bon, vas-y, t'es mignon, Taz. Il me manque 10 rouages, mais je comprends pas pourquoi. Bling, bling. Alors, de mémoire, il faut... Viens par là. Aller dans là où il y a... Où il est l'autre roue... Non, l'autre... là. Ah, vite, pousse-toi. Je voulais qu'il se mange le mur. C'était quoi ça? Je l'ai eu, je l'ai pas eu là. Je l'ai eu. À partir du moment où il est parti, c'est que je l'ai eu. Je pouvais contrôler Taz avec l'analogique droit. Oui, non, là ça va. Ah, l'accent. Mais ouais, non, je. Oula. J'ai. C'est vrai que ça m'a bluffé, mais comme j'ai pas fait le jeu. J'ai pas fait le jeu dans cet esprit-là, du coup, j'ai du mal. On va vérifier là, mais on est d'accord qu'il n'y a pas de rouage qui se cache là. Je comprends pas trop pourquoi est-ce que... Allez, Bugs, avance un peu, là. D'accord, ça, je savais le faire. Allez. Ah, ok. Il arrive. Oh, vas-y. C'était quoi l'astuce? Il y a un rond qui apparaît. Ah, je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Où il est? Peut-être juste taper dedans? Ça va être un endroit bien caché. Bah, je sais pas, je viens de refaire le maillot là. Je viens de refaire le début du niveau, j'ai rien vu. Pourtant, il y a des petites choses en hauteur. Ça doit pas être ça. Où il est? Non. Ouais, c'était ça. Il est où le pitule là? Il est là. Non. Voilà. Normalement c'est un peu moins long. C'est toujours pareil hein, quand... Mais non, c'est l'autre qu'il faut faire venir. Quand tu le fais pour la première fois... Bah, mon inventaire, j'ai regardé. Hein. J'ai regardé, c'est pour ça que je sais qu'il me manque 10, tu vois. Il m'en manque 10 au niveau du boss. C'est pour ça que je suis venu dans ce niveau-là. Mais en fait, c'est la dernière ligne droite pour justement avoir toutes les piécettes. Enfin, tous les rouages. On l'a rediff, j'ai explosé de rire au taf quand tu t'es rendu compte. Ouais, mais c'était... C'est quand même incroyable de se taper tout le jeu et de pas se rendre compte qu'il y a les deux personnages. C'est hallucinant. Puis même, je connais aucun autre jeu qui fait ça, quoi. Il n'y a pas le délire. En plus, ah, il peut sauter. Ah, j'ai même pas compris qu'il pouvait sauter. D'accord, j'en découvre encore une. Si on vous demande, dites rien. Alors, où est-ce qu'il se cache? Alors pour le déclencher, je crois qu'il faut se mettre... Pâté. Allez, viens. Allez. Alors, l'autre roue, l'autre... Hum.
Bizarre ça. Marrant ça, j'ai réussi à m'accrocher une fois. Ça devait être un bug. Normalement on n'est pas censé pouvoir s'accrocher. Ou alors j'ai mal mis la... Ah bah forcément, si je mets pas bien la statue. Le mec qui pousse pas la statue jusqu'au bout. Merci, désolé Elmorel, c'est surtout ce que je ai pensé. Oui, le jeu effectivement est pensé en coop. Et donc... ouf, non, c'est fini déjà? Non, il est là. Et effectivement, quelqu'un avait dit que bah, le jeu, on peut... Allez, vas-y. On peut le finir en coop. C'est quoi la blague? C'est pas ça. Désolé, Bucky. Il y a un truc, mais je me rappelle plus. On fonce, vas-y. Non. Quel délire. Ah! Ok, je crois savoir. D'accord, c'est le même principe qu'avec les enclumes. Il faut se débrouiller et les faire tomber sur la tête. Ça doit être ça. Non? Je vais goûter ton sang. Je vais. On dirait Garou dans les. Je vais goûter ton sang. Voilà, c'était juste ça. Enfin, je crois. Oui, c'est ça. Et bah par contre c'est bizarre, histoire de rouage quand même. Salut VT Clan. Bienvenue, merci. VT Calan, pardon. VT Calan. DJ Alan, tu te souviens? Ah yes! Ça joue un jeu coop et ça invite pas. Il le chat plus souvent. Ah désolé. Il n'a pas placé. Ah non voilà. Il y a des fois, c'est vrai que je suis parti dans le jeu et des fois, je me concentre pas assez sur le jeu. Alors, du coup, je loupe des choses. Ta vie, tu vas mourir. Ta vie, tu vas mourir. Mais non, la vie, c'est bon. Il y en a assez. Il y en avait assez. Regardez, ça le fait largement. Alors, ce que je piche pas, c'est effectivement pourquoi il me manque ces fameux 10 rouages. Pour le souvenir de... Parce que dans le truc du début, j'ai bien fait. Il y a les chevaliers, donc là c'est là où il y avait le diamant. D'accord. Bon, là j'ai rien fait. Mais. Il va falloir que je le refasse, mais. Ça me ramène au début. Donc. Pourquoi il ne court plus? Ah, c'est bon. Bon. Alors, je vais faire descendre les plateaux. Je sais plus. Non, c'est l'autre qu'il fallait faire descendre en premier. Moi, je les ai eus, hein, mais. Moi, bon, il me semble. Alors, ça a servi à rien de faire ça. Ça a servi à voir que. Ah, non, c'est pas ça que je voulais. Ça a servi à voir que j'avais pas loupé le rouage. Ça, c'est fait. Dans le passage du boss. J'ai 10 rouages qui me manquent. Voilà, on regarde la zone centrale. J'ai bien 500 rouages sur 500, quête 500 sur 500, course 300 sur 300 et boss 190 sur 200. Il y a donc 10 rouages, c'est une piécette, hein, avec le chiffre 10 marqué dessus, qui est planqué dans ce passage du boss.
Mais non, Bugs, c'est pas grave. Mais là, il n'y a rien, quoi. En fait, c'est des passages secrets. Alors, où est Bugs? Il est là. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver ces fameux 10 rouages qui me manquent dans ce niveau du boss, parce que c'est que ça, le niveau du boss. Hein. Il y a 3 pièces à traverser, et... Donc ça, c'était un fameux interrupteur à activer, mais il est activé parce que c'est ce qui ouvre la porte au fond, là, à gauche. Il n'y a rien d'autre. Et d'accord que là-haut, il n'y a rien. Là, pas les avoir. Voilà, c'est fait avoir. Mais il n'y a rien dedans. Donc lui, il va bouger. Il va venir là-dessous. Vas-y, viens. Non. Ah, parce qu'il descend. Voilà, splash. Mais ce truc-là, il n'y a rien dedans. Ce que je cherche, c'est à trouver ces fameux 10 petits rouages, quoi. Collier recommandé, oui. 6000 rouages au total. Ah bon? Non. Ah oui, en haut à droite. Ah, c'est bizarre. Bah, en même temps, tout à l'heure, il y a un endroit, il me mettait 72%, hein, quand même. Il y avait un truc, quand même. Alors, à moins d'aller à la fin et de voir si Mémé nous dit qu'en fait, on les a tous. Et que ça sera un bug d'affichage. Mais là, il n'y a rien. Bon, je vais reparcourir vite fait le... Allez, vas-y. Le niveau. Là, ici. Normalement, je les ai tous faits aussi. Hein. C'est casier, là. C'est pour ça que je piche pas trop de ta version du jeu. Ah, peut-être. Oui, sous le tapis. Les statues. Ah, tu crois que les statues pourraient être... On peut éclater. On pourrait éclater les statues. Quoi? Pas moi, mais... Non. Non, non, les petites statues, on peut pas. Là. C'est ce qu'il me semblait. Là. Non, non. Ce que j'ai fait la dernière fois. Alors, je vais tester. Après, c'est vrai que le jeu est ressorti. Il y a eu différentes rééditions. Hein. Ouais. Je pense que ce serait un bug de la version du jeu. Ouais, mais après... En fait, dans ce passage-là, voilà, avec le lien, si tu les as tous, ben, le truc, c'est que... En plus, il y a une cinématique... sinon après dans le let's play là Titicraft il n'y a pas de comment dire il n'y a pas l'écran on voit pas l'écran Oh, très bon manger Shingum. Alors vas-y. Là, oui, d'accord, je l'ai fait. Là, j'ai fait. Là, j'ai fait. Les autres, il n'y a rien, tout est vide. Hein. donc, tout est vide. Et... Je vais quand même essayer, mais... Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller gentiment
Revoir mémé. Bon, lui, c'est juste pour me donner la plume, donc à la limite, je m'en fous. Pas de passage secret, y'a rien. Y'a rien. Parce que là, on est d'accord que j'ai un poil galéré. Je vais essayer les... J'ai un poil galéré dans la bibliothèque avec les... Je vous l'accorde. Là-haut. Là-haut, là-haut. Y'a rien de suspendu. Des fois, avec le clipping, on voit pas... On voit pas ce qui se passe en hauteur. On va tenter un truc. Allez, viens. Viens, y'a mon petit. Il se l'est pris sur la tête ou pas? Mince, je suis allé trop vite. Il se l'est pris ou pas? Il est reparti. Je reviens, Léon, j'ai même la maison. Mais je rêve. Allez, vas-y. Voilà, Eda. Y'a rien. On sait jamais, hein, des fois qu'il y a un truc de caché. Non. Donc, par contre, ce que je vais faire... Oula, 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 on se calme. Yayouille. Donc y a rien. Les bugs d'affichage en bas. Des fois on sait jamais si je vois un truc de... De planqué, mais là je vois rien. Que quand je suis venu là la dernière fois, il y avait bien des piécettes entre les deux, mais là il n'y a rien avec dalle quoi. Il y avait des trucs de suspendu, hein, mais enfin dans le vide. Là il n'y a rien, je vais aller voir en bas. Sinon, bah, tes dernières vidéos sont vraiment cool. Ah, merci, VTKalan. La vidéo après le boss, il voit Mémé, puis retourne dans le niveau pour chercher un troutage. Hein ? Vidéo après le boss ? Développeur Jap et TF, je réfléchis encore à trouver d'autres. Ah, bah, c'est cool. Bah, merci, VTKalan. Ouais, avec plaisir. Après, j'en ai quelques-uns en réserve. J'en ai... On avait noté un ou... Non, retourne par là. J'en avais noté un ou deux autres, comme ceux qui ont participé, par exemple, à... Alors après, ça devient un peu moins connu, on va dire. Mais ne serait-ce que, par exemple, ceux qui ont fait... Allez, avance. Les jeux Tekken. Tekken, il y a du monde sur Tekken. Je vais retourner voir là-bas. Et sinon, je vais vraiment aller voir... Mais effectivement, il y a peut-être un truc. Il y avait Tekken, il y avait. Oh! C'est ça. C'est tard. Une jarre que j'avais pas vue. Bon. Bon, vaut mieux voir comme ça que pas du tout. Hein. Avance. Bref, nous y voilà. Nous retournons. Donc la totale, 99%. Et pourquoi 99%? Bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je les ai tous. 10, 10. 500, 200, 300. Qu'est-ce que c'est que cette blague? 200, 300, 100. Bon, le dernier petit pourcent, il est pour Mémé. Non, c'est pas ça que je voulais. Comme ça, il faut battre le boss une première fois, puis aller chercher un dernier rouage pour finir le jeu. Ah, je vais aller voir. 6010. on va juste sauvegarder. Développer un jeu. Voilà. Alors attendez.
99%. Oui. Enregistrons. Ah bah il met 100%. Là il met, c'est marrant. Les chiffres sont vraiment pas au point. Je pense, sur la fin du jeu, ils ont dû. Ça devait être un peu buggé, non? 99%. Bon, c'est la blague. Hein. Allez voir Mémé. Allez. Oui. Sont à cause des rouages du début. À cause des rouages du début? Ah, peut-être qu'il faut être dans la zone centrale, tu crois? Ah, bah voilà. Ah! Le v'là, le. Je vais remettre un peu plus fort. Waouh, fantastique! Vous avez réussi! Bravo, les garçons! Remettons ça en place. Le rouage manquant de Mémé. La fin, this is the end. La zone du début. Ouais, les 10 du début, je les ai bien. Je les avais récupérés. Ah oui, donc 6010, effectivement. Bien vu, ouais, ok. Effectivement. Ils me le paieront. Maman. Bonsoir. Très appétissant, ce canard. Et petit canard. En fait, je suis très gras et j'ai plein de cholestérol. N'importe quoi. C'est quoi le truc qui a volé, là? Ah, c'est le temps qui se remet en place, c'est peut-être ça. La spirale du temps. Les portes qui se referment, c'était bien la peine de les ouvrir. Des fêtés. Hé, hey, mon pote, hey, regarde par ici. C'est moi qui suis là. Oui. Il est tout petit. Hé, hé, hey, qu'est-ce que tu fais, boule de poil? Vous savez, Mémé, si vous voulez une vraie désinfection, adressez-vous à des professionnels. Oh, cette chute. Bon, bah, c'était... Oh, la chute bidon. Ils sont où, les 6000 autres? On s'est fait chier à chercher la veille. La vieille. Ah oui. La vieille. Oui, elle en a juste un. Elle les a gardés précieusement pour elle. C'est une malade du... des rouages, mémé. Bon bah voilà, bah c'était cool comme petit jeu. Faut ce que vous en pensez, mais bon voilà, c'était pas violent, hein. Bon, petite voix en français. Un coffret DVD des Looney Tunes. Ouais, j'adore aussi. J'adore et tous les dimanches soirs, j'ai gardé cette habitude de diffuser à la télé. J'ai tout ça sur un disque dur. De diffuser des Looney Tunes le dimanche soir en mode ça cartoon, quoi. Donc il n'y a pas Philippe Dana, mais bon, le cœur y est, quoi. Bugs Bunny voyage à travers le temps. Bah peut-être pas celui-là, je pensais. Alors il y a Men in Black à finir d'ailleurs, je pourrais peut-être le relancer pour voir. Hello Sony Adventure, comment ça va? Je pensais relancer peut-être Men in Black, hein, histoire de se faire bien peur, c'est bientôt Halloween. Infogramme VP. Il y a des petits bugs d'affichage dans le... Les lignes, elles se décalent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais le prévoir un peu à l'avance. Je vais faire... Territory Marketing. Faire une petite soirée pour lancer Fade to Black. Je pense que ça va être le jeu que je fais... J'ai envie de faire, mais c'est vrai que l'autre jour j'ai lancé Martian Gothic. Ben, c'est pas mal, quoi. Après, il y a tellement de jeux que voilà, auxquels j'ai envie de jouer, hein, tout simplement, mais pour toi, pour ce week-end. Ah, vas-y, dis-moi. Après, je sais qu'on m'avait demandé Tombi, par exemple. Je sais pas si, voilà. Quelqu'un m'avait demandé Tombi et...
FF8, non. FF8, c'est qu'il faut que je me prévoie une semaine, deux semaines. Il faut que je me prévoie des jours. Enfin, des jours, ce sera... Enfin, ou il faut que j'y prévoie de streamer tous les soirs. Voilà, par exemple. Voilà, c'est vraiment un truc... Le premier Tombi est bien, le 2, non, était moins bien. Il est dans le cœur des joueurs, il est tout de suite moins sympa, quoi. Chibia Rouen, c'est payant, tu penses? Je vais y aller samedi, je pense. Toi, c'est les deux jours en invité. Alors, moi, je suis plus exposant qu'invité, en fait. Mais oui, c'est payant. Après, je n'ai aucune idée du prix. Oui, bien sûr, Titi Craft, je les ai dans la collecte. Pour ça, je proposais, je sais qu'on m'avait déjà demandé. On m'a dit, oh, Cyril, vas-y, fais un petit let's play sur... comment ça s'appelle Je vais chercher le nom, bah, sur Tombi. Je suis en train de regarder parce que sur ma télé, j'ai pas l'impression que ce soit saccadé. Par contre, sur OBS, c'est saccadé le générique. On le voit. Alors que sur la télé, je l'ai pas en saccadé. Alors, est-ce que ça vient du fait que ce soit entrelacé, mais pas sur OBS? J'en sais rien. Billy West, Bugs Bunny, Elmer. Ben, c'était bien cool ce petit Bugs Bunny et Taz de la spirale du temps. Voilà, en français, voilà, tranquillou, voilà, crédit, et du coup, normalement, alors, charger une partie, est-ce qu'il est marqué à 100% ou pas sur la sauvegarde? Pour la blague, ah, le 100%, voilà, ce fameux, ah, je vais baisser, Taz qui nous fait des siennes, mais, Oui, fais un petit Tombi. Bah voilà, je vais lancer le petit Tombi, ça peut être sympa. Mais c'est le jeu, tout le monde a fait la démo, personne n'a le jeu. Mais c'est comme Cula World, hein. Cula World, c'est pareil, tout le monde a fait la démo, et personne n'a le jeu. Alors c'est pas le même délire, hein, mais... J'avais fait à fond la démo, et quand j'ai trouvé la version complète en émulateur, j'ai été assez déçu. Après, c'est peut-être un peu répétitif, je sais pas, je me rends pas compte. Ouais, aujourd'hui, il est pas donné, hein. Ouais, bah comme beaucoup de jeux, hein, Titi Craft, il y a beaucoup de jeux qui peuvent être sympas, mais quand tu vois les prix, tu fais ouais, je suis pas pressé, quoi. Ah mais avec plaisir, El Morel. Oui, je serai à la Chibi Rouen les deux jours dans le coin rétro gaming. Je suis pas annoncé ni rien, il y a pas de voilà officiellement, mais je serai dans le coin du rétro gaming. Il y a le e-sport, il y a des choses comme ça. Il y a Matoson Games qui sera pas loin, donc voilà. Un vote pour le prochain jeu en live. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. J'ai chopé Tombi à 150. Ah oui, je l'ai chopé à moins que ça, moi. Je veux ce jeu pour le faire, pas pour la collecte. Bah, El Morel, ouais, Cula World, c'est pareil, hein, moi. Bon, après, comme je suis dans le délire PS1, forcément, je vais dire, je les cherche un peu tous, mais au final, j'étais bien content d'acquérir Cula World parce que... on découvre qu'il y a des... Il y a des niveaux après ceux de la démo. C'est con, mais... Voilà. De toute façon, on va se faire une petite pause le temps que j'aille coucher mes loulous, mes gamins. Leur faire un petit bisou. Et puis je reviens juste après. Alors, je sais pas si je dois couper le live ou le relancer ou je le laisse. Je mets juste petite pause. Ça revient dans 2 minutes. Mais plus de rétro, j'ai eu ma période. Maintenant, fuck. Ouais, ça devient un peu absurde. C'est pour ça que j'attends. Je me dis, sur ceux qui me manquent, je préfère attendre la bonne occasion, quoi. Tombi, 100€ sans notice. Ouais, ça fait mal, quoi. Que la démo aussi. Ah, Cula World, il a pris une claque, hein. Je pense que le pire... Alors, Cula World 150, ça me paraît un peu abusé. Mais, non, si je reviens... Je vais juste couper le son comme ça. Cula World 150, ça me paraît... voilà. Ouais, ça va être le temps de la pause. Mon vote avant, bah si je lance le... Ah ouais, le vote Tombi ou Men in Black, je pense que la question est vite répondue. Alors attendez, je vais voir. Tac, tac, tac. Donc ça, non. Je regarde, hein, je regarde pour lancer un raid, faire un clip, modifier. Je sais pas comment on lance un vote. Ah, attendez, ou alors c'est sur le chat. Qu'est-ce que c'est que ça? Utiliser, non. Chat. J'appuie sur les boutons. Chat. Chat. Bah quoi? Paramètres du chat. Non. Je sais pas où c'est caché. Un post YouTube. Non, bah c'est... Sur le chat. Ouais, il me semble que c'est sur le chat. Hein. Enfin, du jeu. Ouais, merci Étienne. Ah, Vibribon, ouais, il est cool.
Non, je crois que j'ai trouvé. Allez. Héberger une chaîne. Faire passer le chat en mode. Et... faire passer. IP, ajouter un repère, modifier. Non. Ah, je suis sûr de l'avoir vu. En plus, je l'ai vu sur un. Ou alors, c'est que dédié à. Bizarre ça. C'est un clip. C'est quand même pas que dédié à. Tu n'as peut-être pas les droits pour lancer un encore. C'est possible. Ouais, c'est possible. Effectivement. Faut être. Hop là. Paramètres du chat, voir les raids récents, examiner les demandes, gérer les paramètres de modération, chat en pause, chat fenêtré, message supprimé, aspect du chat, afficher les icônes de modération. Il n'y a effectivement pas de... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais sinon on peut se faire un petit tombi juste après. Voilà, moi je fais juste la petite pause. Partie de collection derrière. Autant ce Rayman, autant pixel. Ah, ça, c'est c'est pixel. C'est vraiment pixel. Vraiment le. Je dois avoir leur carte. Mais il est vraiment cool. Moi, je kiffe. Et maintenant, ils en font des nouveaux avec. Ils impriment des décors derrière de jeux. C'est encore plus sympa. Mais, c'est la fille d'à côté que j'admire. Bon, je reviens. Juste une petite pause, du coup, il y a un petit fond d'écran, une petite musique, le temps de, que vous allez vous chercher un petit coup à boire, un petit carré de chocolat, un petit truc. On se pose, et puis, du coup, comme ça me laisse le temps de lancer Tombi. Bon, on va faire Tombi, parce que je vais pas vous saouler avec Men in Black, on se fera une soirée spéciale, que vous soyez prévenus avant, parce que Men in Black, c'est quand même un peu chaud. Mais voilà, je fais juste une petite pause, hop, ça va vous mettre un petit écran, et je reviens dans, allez, 3-4 minutes, allez. Men in Black le 31 octobre pour Halloween. Qu'on se prépare psychologiquement, je crois qu'il va y avoir besoin. Allez, une petite pause et à tout de suite.